Messieurs, bienvenue à cet entretien que nous réalisons en direct sur Congo Live Télévision. Nous recevons M. Georges, il est le secrétaire exécutif de l'IDPS au Nord Kivu. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour les journalistes, bonjour les téléspectateurs, et bonjour tous les Congolais, surtout bonjour les FARDC sur la ligne de front. Je vous remercie, je suis encore votre visiteur de chaque jour. C'est encore le moment de discuter certaines questions relatives à la sécurité et à l'état des lieux de la province du Nord Kivu en ce qui concerne les bandits M23 qui continuent toujours à nous agacer malgré les pourparlers de Luanda. Vous venez de le dire, malgré les pourparlers de Luanda, nous sommes le vendredi 8 juillet 2022. Après la rencontre de Tshisekedi et Kagame à Luanda, la fois dernière, l'M23 multiplie ses attaques contre les FARDC dans les retours. Comment comprendre cela, M. Georges? Mais en dépit d'un cessez-le-feu, demandé par, à l'issue de cette réunion Tshisekedi et Kagame à Luanda. Ok, ça n'étonne même pas. Il n'y a même pas à s'étonner parce que c'est toujours dans les habitudes de M. Paul Kagame. Kagame, lui, a toujours été un hypocrite de mauvais goût. Si les hostilités ont encore repris, le jour même de la rencontre entre Félix et Tshisekedi, Félix plutôt et Kagame, ce n'était que répéter les mêmes habitudes, les mêmes caractères que Kagame a toujours affiché. Et les hostilités ont repris, oui, surtout hier. Mais cependant, ses amis, ils attaquent et ils subissent une contre-attaque la plus farouche. Et hier, ils ont attaqué à 18 km du cas de Rumangabo, dans les montagnes de Karisimbi, vers Karisimbi, dans les montagnes de Mikeno. Là, on les a encore imposé une perte lourde, très très lourde. Même les points qu'ils cherchaient, qu'ils venaient d'occuper, ont été reprises par nos FARDC. Ce n'est pas seulement là qu'ils ont attaqué, ils ont voulu aussi attaquer vers l'hôpital de Rwanguba. Là, ils ont encore subi le feu. Ils ont réellement subi le feu jusqu'au point qu'on les a refoulés très loin, très très loin, très loin du lieu qu'ils venaient d'occuper. Et dire qu'ils ont choisi l'option de la guerre, oui, nous sommes prêts. Et d'ailleurs, notre commandant suprême, Félix, a dit très bien que ce n'est pas à dire que la RDC est faible, seulement respect des principes. Et elle va toujours riposter. Et d'ailleurs, il va se prendre en charge pour quiconque qui voudrait toujours mettre à cause la sécurité de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi hier, ses amis ont subi le baptême du feu de nos FARDC. Et qu'ils oublient qu'ils atteindront la ligne RN numéro 2. La route nationale numéro 2, ils n'atteindront jamais. La route Rutshuru, Grano. Mais les rebelles tiennent Mokidis, ils veulent toujours avancer, surtout prendre Rutshuru sans cravate d'arriver à Goma, c'est ce qu'ils disent. Ils disent oui, mais il ne faut pas. Dire c'est une chose, mais faire c'est une autre chose. Qu'ils le fassent et qu'on le voie réellement marier la parole à l'acte. Mais ils ne le feront jamais, et ils ne seront jamais capables. D'ailleurs, d'ici là, à ma conviction, d'ici là, nous allons maintenant faire des opérations de grande envergure et montrer maintenant à Kagame qu'il s'est aventuré sur un terrain qu'il ne connaît pas. Mais il y a l'M23 qui a réagi juste après cette rencontre et qui a dit que ces discussions, tu sais que dit Kagame n'engage pas en tout cas l'M23 et que ce n'est pas Kagame de réclamer un cessez-le-feu au nom du M23. Comment vous analysez cela? En fait, les Congolais doivent savoir tout d'abord que Kagame est toujours comme ça.
Il accepte d'abord agir au nom du M23 à Luanda, mais en même temps, il appelle ses adeptes de faire la réplique, de refuser que eux ne soient pas les hommes de Kagame, mais plutôt ce sont des Congolais qui revendiquent un droit. Acceptons qu'ils revendiquent un droit. Et pourquoi maintenant Kagame est parti les représenter à Luanda? Pour dire que... Il n'a pas représenté l'M23, c'est pourquoi le mouvement a rejeté aussi cela. Pourquoi il y a eu pour parler entre Kagame et Félix? C'est parce qu'il y a un problème du M23. Qu'il y a tension entre Kinshasa et Kigali. Vous savez que Kinshasa est sous sanction économique. La tension tire ses origines où? Sur la racine M23. Pour vous dire que le M23 est une fabrication de Kigali, une fabrication de Kagame. Et Kagame est parti vouloir défendre les intérêts de ses adeptes. Malheureusement, il a cru que il était avec les AFA, dire que je vais accepter que je suis en train de défendre mes AFA et dire encore aux AFA de me refuser moi. Non, il s'est trompé. Par contre, la tension qui existe va s'augmenter davantage. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, la tension qui a prévalu les jours passés va se multiplier peut-être fois 10. Et jusqu'au point que nous allons même déclarer la guerre ouverte avec le Rwanda. Parce que donc on est loin de finir, de mettre fin à cette guerre. Bon, en fait, c'est quoi? C'est lui qui est lésé, c'est lui qui se mouche. C'est-à-dire que si Kagame se trouve lésé, c'est lui qui a fabriqué le M23. Et s'il trouve qu'il continue toujours à être lésé de ses droits, nous allons maintenant nous prendre les poitrines. Nous allons nous prendre sur les poitrines, voir c'est lui qui a la force, il va gagner. Mais dire qu'il y a M23, il y a Kigali, il y a Kagame, non. C'est la même fabrication. Et le M23, nous sommes à Goma, nous sommes au Nord Kivu. Qui ignore que le M23, c'est la même fabrication du Rwanda? Qui ignore que M23 égale CNDP, égale RCD, voire même AFDEL. Madame, vous croyez les Congolais? Les M23. Les brebis galeuses ne manquent jamais. Même chez Satan, les anges qui étaient au ciel se sont retrouvés chez Satan. On vous dira que d'ailleurs Lucifer était l'ange adorable de Dieu, mais il s'est retrouvé chez Satan. Pour vous dire que même parmi nos Congolais, il y en a toujours qui viennent derrière l'ennemi. Pourquoi? Parce que nombre de nos personnes sont toujours derrière l'argent. Ils sont à quête d'argent. Ils croient qu'avec les M23, on peut se retrouver, trouver un 10$, un 20$ derrière, la philosophie M23. Et c'est pourquoi vous trouverez même certains Congolais, trop peu de Congolais, qui peuvent se lier derrière les M23. Mais je ne dis pas un grand nombre, non. Et surtout aujourd'hui, vous comprendrez que nos garçons, nos citoyens ont compris que le M23 était une machination, une machine rwandaise qui ne faisait que faire mourir les gens gratuitement. Et les gens, ce sont des ces gens-là. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Rutshuru, tous les jeunes de Rutshuru ont dit non, 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 non. Cette fois-là, non. On en a marre. Nous avons été trompés plusieurs fois aujourd'hui, non. Mais M. Georges, quand nous voyons les commandements, par exemple, du M23, ceux qui occupent des hauts postes, des hautes fonctions, ce sont que, par exemple, les Congolais, quand on voit, par exemple, les Makenga, les Bissimois, les restes, ce sont des Congolais. Ah, Makenga, Bissimois, je vous ai toujours dit que si vous avez suivi la biographie de Makenga à la radio rwandaise dernièrement, on vous dira que Makenga a étudié à Rwengeri. Makenga Rwengeri, c'est où, au Rwanda? Au Rwanda, bien sûr. À Rwengeri, au Rwanda. Makenga a participé à la guerre qui a fait fuir à Biarimana. Donc la guerre de Kagame pour la libération du Rwanda par les Tutsis. Makenga le était... génocide, alors? Non, non, avant le génocide. Car en 1994, quand Kagame prend le pouvoir entre les mains des Hutus, donc de Habyarimana, une fabrication qui logeait souvent dans les forêts de l'Ouganda, Makenga a participé à cette guerre. Donc, l'arrivée au pouvoir de Kagame était aussi accompagnée par Makenga. Et Makenga, c'est-à-dire, c'est un sujet rwandais qui a travaillé pour le Rwanda, mais qui a été introduit chez nous
par un certain Bosco Ntaganda. Qui est actuellement à La Haye. Qui est actuellement à La Haye. Et qui a travaillé avec Bosque autour de Kunda, à Kichanga. Et quand, imaginez, quand M. Ntaganda arrive à La Haye, il s'est dit, moi je suis Ndimunyarwanda, Ndimunyarugwanda. C'est-à-dire? Je suis Sijé Rwandais. Je vais aussi m'exprimer devant les juges à langue rwandaise. Pour vous dire qu'il était un Rwandais, mais qui s'est retrouvé d'une manière miraculeuse dans notre armée, parce qu'il y avait un régime fluide à Kagame. Le régime de Kabila était Kabila un second régime de Kagame en RDC. Kabila fils. Mais comment ça, Kabila fils aussi a rencontré tout ça? Non. Kabila fils n'a pas croisé Makenga. Kabila fils n'a pas croisé Bertrand Bisimwa. Non. Kabila fils a croisé le RCD d'Azarias Ruberwa. Kabila fils a croisé le RCD d'Emile Ngoï et de Ndondekane et les autres. Mais aussitôt que les Ndondekane et les autres se sont remarqué qu'ils étaient au service du Rwanda, ils se sont retirés, ils ont laissé maintenant le terrain au Rwandais. D'accord. Mmh. Alors, revenons sur les assises de Luanda, Monsieur Georges. Mmh. Qui est le plus grand perdant dans tout ça entre la RDC et le Rwanda, donc entre Tshisekedi et Kagame? Moi, je vais vous dire tout simplement que le plus perdant, c'est celui qui a utilisé la ruse. Le plus perdant, c'est celui qui a utilisé l'hypocrisie. Et vous le savez, qui est celui qui a utilisé l'hypocrisie? Et vous savez, on a toujours dit ceci, on peut tromper une fois, deux fois, mais pas tous les jours. On n'est pas trompé tous les jours. Et le mensonge a des limites. A Kiswahili, on dit, bongo inakuwaka na mwisho. C'est-à-dire, un jour, Kagame se trouvera, je dirais peut-être, déjà même léché par sa propre population. Parce qu'on en a marre. Quand vous arrivez même au Rwanda, vous trouvez que la population rwandaise n'est pas d'accord avec tout ce que fait Kagame. Et un jour, Kagame risquera de se retrouver déjà hors le pouvoir au Rwanda. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le combat de chaque jour, de tous les jours. Même les opposants au Rwanda disent que non, on en a marre, Kagame doit quand même libérer l'espace rwandais. Il ne doit pas continuer à nous faire des esclaves de toute la région. Hier, c'était une mésentente avec le Burundi. Avant d'hier, c'était une mésentente avec l'Angola, avec la Tanzanie plutôt. Pas plus qu'hier, c'était encore avec l'Ouganda. Et aujourd'hui, avec la RDC, finalement, le Rwanda vivra à paix avec quelle nation? C'est-à-dire, toutes les nations qui l'entourent sont des ennemis. Alors, c'est pourquoi le plus perdant de Luanda, c'est Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Georges, on peut dire que la diplomatie semble échouer actuellement? Si oui, est-ce que pensez-vous qu'il faut passer directement à la voie liée aux armes, c'est-à-dire à la guerre? Et d'ailleurs, Félix lui a dit qu'il a opté d'abord pour deux voies. La voie diplomatique et la voie militaire. Et s'il trouve que la voie diplomatique ne donne pas de bons résultats, la voie militaire existe toujours, ça produit toujours. Vous croyez, vous savez, ce que nous avons fait à Luanda, ce que Tshisekedi a fait à Luanda, c'est déjà un but diplomatique. Vous signez avec quelqu'un, vous vous accordez avec quelqu'un, il vous joue le détour pour vous dire que déjà vous lui avez préparé son propre piège. Donc là, nous avons déjà gagné. Sur la face du monde, au moins nous sommes déjà justifiés. Et quand nous allons nous chercher des moyens pour écraser cette petite rébellion, nous sommes déjà, au moins juridiquement, à position de force. Et toute la face du monde connaît déjà que Kagame n'est pas quelqu'un avec qui il faut toujours coopérer. Est-ce que pensez-vous, si jamais cette voie diplomatique échoue et entamer la voie militaire, est-ce que pensez-vous qu'on a une armée forte capable de faire face au Rwanda? La voie militaire n'est pas encore abandonnée. La voie militaire reste toujours d'application.
Mais si l'intérêt, c'est l'M23 qui mène, monsieur Georges. La voie militaire est en train de nous prouver combien de fois elle est la plus forte. Bon, depuis que le M23 a fait un assaut sur Bounagana, est-ce qu'ils ont déjà fait au moins 10 km de leur espace? Non. Quelqu'un qui n'est même pas en mesure de faire 10 km de l'espace, croyez-vous qu'il est fort? Vous connaissez Bounagana bien? Si vous connaissez Bounagana, le M23 n'a pas fait plus de 10 km du lieu de Bounagana. Mais ici, on nous parle qu'il soit à quelques mètres de Rumangabo, mais c'est juste ça, il ne faut pas ignorer. Non. Vous savez, celui qui connaît la géographie de l'Est, la géographie de Bounagana, la géographie de la frontière entre la RDC et le Rwanda sur la côte orientale, à partir de Bounagana jusqu'à Goma, il y a une ligne qui surplombe les montagnes. Et le cas de Rumangabo se trouve sur cette même ligne-là. Quand le M23 peut venir du Rwanda pour venir provoquer vers Rumangabo, c'est-à-dire qu'il loge toujours la même ligne dans le Rwanda et vouloir aller maintenant faire un petit assaut à l'ouest du Rwanda, dans la RDC, pour vouloir sauter sur Rumangabo. Quand par exemple, au Vuti, hier, il y avait des affrontements à 18 km du cas de Rumangabo. Effectivement, c'est à la frontière même avec le Rwanda. Quand vous montez Rumangabo, Kabaya, vous allez vers Kanombe, Kanombe, vous arrivez, vous surplombez les montagnes de Mikeno. C'est la frontière. C'est ça les 18 km. C'est-à-dire, ils ont voulu encore faire un assaut tout en étant au Rwanda, vouloir alors aller vers Rumangabo. Mais dire qu'ils ont fait 10 km de l'espace qu'ils occupent, non. On les a engloutis dans un petit coin, et ce petit coin, c'est où? C'est Bounagana. D'accord. Et d'ici là, nous allons les bouter dehors. D'accord. Alors, revenons sur cette nouvelle qui semble nécessiter en tout cas des réactions sur la toile. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise au Nord Kivu annoncent une prime de $20 américains chaque mois pour chaque policier de sa juridiction. Il a fait cette annonce à la presse à Goma à l'issue d'une parade tenue hier jeudi à l'intention de ses troupes. Il a dit, je cite, « Veuillez annoncer la nouvelle à vos policiers. L'État leur accorde $20 par mois et par policiers en titre d'encouragement. Nous sommes en tout cas dans une zone opérationnelle ici. Cela se fait déjà dans l'armée et pour nos amis policiers du Grand Nord. Donc maintenant, on a pris en tout cas en compte les policiers du Petit Nord, a déclaré le général Abba Van, commissaire provincial de la police. Comment vous analysez cette nouvelle, bien qu'elle est critiquée sur les réseaux sociaux par certains, bien sûr, les opposants au pouvoir? En fait, les opposants, s'ils peuvent s'opposer à une telle mesure, il faut seulement le métier de l'opposition. Mais dire qu'on peut s'opposer à une telle mesure, c'est être sorcier. Quand on dit qu'on va augmenter le salaire des policiers de vers là, 40 000 francs, c'est vraiment mauvais. Nous trouvons cela encourageant. Et d'ailleurs, c'est parmi les mesures de responsabilité d'un État. Moi, je suis très, très content de cette mesure. Je l'ai apprise aussi à partir de l'ACP, monsieur Georges. La RTNC. C'est un ajout sur un salaire qui existe. L'ajout, même un dollar... Mais pourquoi ne pas aller au-delà? Même un dollar, ça suffit. D'accord. D'abord, nous sommes en situation de guerre. Et vous voulez que... Vous savez très bien que la guerre, une seule journée de la guerre, consomme combien? Environ 1 million par jour. Pour une guerre. Et maintenant, vous voulez qu'on abandonne d'abord la guerre et augmenter le salaire des policiers. Soyons quand même congolais raisonnables. D'accord. En fait, $20, ça suffit largement. D'ailleurs, c'est bien. D'accord. Quand on vient la fin de cet entretien, nous restons jusqu'à 2 minutes. Revenons d'abord également sur cette actualité. Je sais qu'elle suscite aussi des réactions. L'actualité, en tout cas, c'est depuis hier que nous l'avons appris. Il y a eu, disons, un changement de commandement. Voilà. Dans les commandements des opérations au niveau de Rutshuru, il faut préciser qu'il y a le général Chirimwami qui quitte la tête des opérations Sokolade et il sera remplacé par le général de brigade Bitangola Clément. Il y a également
Chirimwami, voilà, il y a Chirimwami qui est envoyé en Ituri, il y a aussi Clément qui est en Ituri qui vient ici, mais il faut préciser, il y a le général, il y a Philemon qui va en tout cas prendre la tête de ces opérations pendant que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Dima, qui reste dans les affaires politiques et administratives, comment de la province, bien sûr, comment vous analysez ces changements opérés au niveau des opérations Sokolade? En fait, d'ailleurs, le changement vit avec retard, parce que nous l'avions déjà décrié dans nos émissions. Si vous le savez, si vous, les, vous vous souvenez encore très bien, nous l'avions déjà souligné qu'il y avait une sorte de cacophonie à la ligne de front sur le point commandement des opérations. Il y avait une sorte d'embrouglio. Soit le gouverneur commande, soit le commandant des opérations Sokola commande, soit le commandant des opérations sur terrain commande. Et ça créait une sorte de mésentente, une sorte de non-savoir-faire. Parce que quand un général, tel général commande, les troupes ne savent plus à quel commandement obéir. Et c'est pourquoi il a fallu qu'on fasse encore une sorte de réorganisation dans les commandements. Et nous les saluons et nous supposons bien que cette cacophonie qui existait sur terrain ne va plus se répéter. Merci. Si d'ailleurs nous avons perdu Bounagala, c'est à partir de cette façon-là de commander. On ne sait pas qui commande qui doit commander, à qui obéir. D'accord. Et aujourd'hui, au moins, quand on dit que le gouverneur ne doit que s'occuper de la province et laisser les commandements aux militaires qui sont sur le front. D'accord. Très bien. D'accord, merci Georges. Nous sommes en tout cas pratiquement à la fin de cet entretien. Mais je voudrais également revenir avec vous avec cette rubrique. Vous savez que quand nous vous recevons comme ça en exclusivité chez nous, il y a beaucoup de personnes qui vous suivent et qui veulent peut-être être en contact avec vous. Avec cela, nous avons décidé, en tout cas, à chaque fois, nous avons un entretien avec vous, que vous puissiez, que nous puissions en tout cas vous demander avec votre aval si vous pouvez donner vos coordonnées et que si jamais ces personnes veulent vous joindre, peut-être partager encore, peut-être en privé, vos analyses et que vous puissiez les faire en privé également. Si vous voulez bien, vous pouvez donner en tout cas vos numéros pour que quelqu'un, s'il veut, il peut vous joindre au téléphone sans problème. En fait, pour les téléspectateurs et ceux-là qui voudront nous contacter en privé, nous allons donner notre contact téléphonique, rien que celui-là. Et notre numéro de téléphone est Je répète. Bon, c'est 09 79 27 31 68. Vous pouvez encore répéter. 09 79 27 31 68. Merci beaucoup, Georges. Nous sommes en tout cas pratiquement à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin, encore une fois de plus. Ok, merci beaucoup. Nous vous remercions. Nous remercions les téléspectateurs. Et voilà notre contact. S'il y a une suggestion ou quelque chose à corriger, d'accord, vous devez nous contacter. S'il y a à améliorer, même un conseil, même une réprimande, nous sommes toujours prêts. Parfait. Merci beaucoup. Fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.